mot à vous dire. Alors, est-ce que vous pouvez... Voilà, bah écoutez, il est minuit et demi, on est là depuis 5 heures à peu près, ça va, une bonne moyenne. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Évidemment, je peux pas être honnête sans citer tous les gens qui m'ont aidé à faire ce spectacle. Sur le plateau, on avait quelqu'un d'indispensable. 5 heures de spectacle, vous imaginez, avec tous ces morceaux qui sont passés par là. On n'a pas eu trop d'attente en cherchant des musiciens dans les coulisses, etc. Avec toutes sortes de problèmes techniques qui peuvent être très très facilement et très professionnellement réglés. C'est Pierrick Le Rye. L'homme de l'ombre, je le cite tous les soirs, et cette fois je vais lui demander de venir sur scène, de quitter son petit cajibi là-haut. L'homme de l'ombre de Musique Millet, c'est celui qui fait les enregistrements au studio, c'est celui qui connaît bien les morceaux, c'est celui qui sait conseiller les élèves sans intervenir, bien sûr, en plus de ses enregistrements sur les CD, c'est lui qui fait toute la sono de la soirée. J'appelle sur scène Antoine Cognam. Antoine, c'est un travail immense que vous faites depuis 2008, ça fait des années que je vous suis. Alors je passe à la partie finale. La partie finale, vous savez, elle concerne ces élèves qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Alors il y a des élèves qui ont des dons, c'est vrai, vous avez vu ce soir, il y en a qui ont des dons, et l'art c'est comme ça, c'est complètement inégalitaire, c'est injuste. Il y a des gens qui ont des dons et des gens qui en ont un peu moins. Alors, il y a des gens qui ont des dons et qui travaillent. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de dons, mais qui travaillent et qui arrivent à faire des choses quand même. Et ce soir, j'aimerais remercier, non pas ceux qui sont forts ou pas forts, c'est pas du tout ça la question, mais ceux qui ont donné du temps. Le sens de ces remerciements, c'est pas qu'ils sont forts en musique ou pas forts en musique, c'est qu'ils ont donné du temps parce que comme ils aiment ça, ils aiment jouer avec les autres, et ils aiment répéter et faire des morceaux. Ça suppose qu'ils restent le soir tard, après les cours, ou le mercredi, ou pendant les vacances, ou pendant les dimanches, les jours fériés. J'insiste, je leur donne un texto, ils arrivent. C'est vraiment des gens extraordinaires. Et ils ont l'amour de la musique qui les motive certainement. Je vais d'abord appeler les quelques collaborateurs musicaux, si on peut dire, qui ont accompagné la chorale et qui ont été très utiles. J'appelle les flûtistes Oana Paris et Maël Grudel. Alors là, il y a les pianistes aussi. Vous avez vu défiler des pianistes un peu dans toute la soirée. Et c'est obligé de leur rendre hommage parce qu'ils ont pris une très grande responsabilité. Ils ont la chorale sur le dos, et moi avec. Et donc, j'appelle tout de suite Clément Dubreuil. Clément Dubreuil. J'appelle également Pénélope Torres. J'appelle Simon Delon. J'appelle Julien Vanier. J'appelle Adèle Bonnemain. Et j'appelle Emma Sorin. Ouais, et j'espère qu'on ne vous dit pas. Voilà. Alors ensuite, il y a ces fameux MM d'or, c'est un peu ridicule, je suis désolé, les MM d'or, Musique Millet, MM d'or, un peu suranné comme truc, mais bon. J'ai trouvé ça, c'est amusant, les MM d'or, alors je les décerne cette année, c'est une récompense, à donc ceux qui ont passé beaucoup de temps avec tous les morceaux. J'appelle d'abord quelqu'un qui a travaillé dans 7 morceaux, c'est Théo Daret. Le bassiste Théo Daret. J'appelle également un autre bassiste qui a travaillé dans une petite dizaine de morceaux, c'est Arthur Roulant.
rappelle également un autre guitariste qui a passé beaucoup de temps avec beaucoup d'élèves, c'est Victor Vasselin. Victor Vasselin. Alors un multi-instrumentiste et multi... il sait pas très bien ce que c'est qu'une feuille avec des cours marqués dessus. En général, quand on lui donne une feuille, il la perd tout de suite. Bon, mais il a une grande mémoire et puis il a une grande disponibilité en ce qui concerne la musique, bien sûr. On acclame Lucas de la Rosa. Une personnalité qui s'est... Une personnalité qui s'est mise dans plusieurs morceaux, mais à des degrés divers, en tant que musicien, mais aussi en tant que humoriste, on pourrait dire. On appelle tout de suite Mathis Lucas. Il est tout au fond, Mathis Lucas. Voilà, et enfin, je finirai par une personne qui a passé beaucoup de temps également. C'est un batteur, c'est quelqu'un qui a passé des répétitions entières et qui a un très grand talent. On appelle enfin, pour finir, Rémi Butel. Voilà. Attendez. Je crois qu'on a quand même oublié un petit quelque chose. Je veux dire, au milieu de tous ces remerciements bien mérités, il y a quand même quelqu'un que vous connaissez peut-être, dont on n'a pas encore entendu le nom. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce personnage légendaire. La voiture n'est pas à vendre. On dit qu'il ne dort jamais parce que il consacre tous ses jours et toutes ses nuits à un immense travail, dont celui par exemple de préparer le spectacle qu'on vient de vous présenter et avec brio chaque année, et le CD, le DVD et encore mille autres projets qui ne verraient pas le jour sans lui. Il n'a pas changé, il nous envoie toujours des messages à 4h du matin pour dire « Hey, tu peux venir, on répète à 8h ouais !» Ou alors... ou venir nous voir 3h avant le concert. « Ah, au fait, tu joues dans ce morceau-là et puis dans celui-là aussi. » Voilà. Merci beaucoup, je suis très touché de... Vous l'avez donc, je pense, deviné, il s'agit de Vincent Longeon. Et on se dit à l'année prochaine pour certains.